Avignon, c'est le début de la saison de ce grand moment de fête du théâtre qu'est le Festival d'Avignon. La première fois que vous êtes venue en Avignon, est-ce que vous étiez déjà une amoureuse de la scène ? Amoureuse, oui, mais en tant que spectatrice, bien sûr. La première fois que je suis venue au Festival d'Avignon, c'était en 1992. Et deux ans après, en 1994, je suis venue pour la première fois avec une pièce que j'avais écrite et dans laquelle je jouais, qui s'appelait « À contre-voix ». Vous étiez chercheuse. Oui. Vous faisiez quoi ? Alors, je faisais de la recherche en physique statistique, physique des matériaux et mécanique des matériaux, quelque chose à la jonction de ces trois choses. Comment est-ce que vous avez rencontré le théâtre ? Vous savez, moi, je viens de Tunisie. Je suis arrivée de Tunisie, j'avais 3 ans et demi. Et le français est ma langue maternelle, mais cependant j'avais sur la France, le français, une admiration et un amour d'immigrés. Et pour moi le fleuron de cette littérature, c'était le théâtre. Donc tout de suite je me suis mise, je ne sais pas ce que j'en comprenais véritablement, mais très 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 vite je me suis mise à lire Corneille, Racine, Molière et pour moi la musique des vers de Racine. Encore une fois, je pense qu'à 10-12 ans, je ne sais pas ce que j'en comprenais, hein, mais rien que la musique de l'Alexandrin me ravissait. Vos parents étaient-ils de près ou de loin connectés à l'univers de la recherche, à l'univers de l'enseignement, à l'univers de l'industrie, de l'ingénierie ? Absolument pas. Mais j'avais la chance d'avoir des frères et sœurs aînés qui étaient passés par le lycée et qui donc avaient tous les petits classiques que moi je pouvais aller. Et rien ne m'intéressait tant que d'aller fouiller dans les affaires de mes frères et sœurs. Donc... Finalement, à la fin des années 90, vous aviez déjà ces deux amours, le théâtre et la science, et vous passiez déjà un petit peu de temps sur scène. Quel regard les chercheuses, les chercheurs avec qui vous travailliez à l'ANERA portaient sur votre sur ces deux amours parallèles? Je crois que ça, au début, ça les amusait beaucoup. C'est après que les choses se sont raidies, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que quand effectivement j'ai sauté le pas et que j'ai repris la Reine Blanche à Paris, le théâtre, là il y a des gens qui ont été formidables, qui viennent régulièrement à la Reine Blanche, qui soutiennent le projet, et il y en a d'autres qui ne m'ont plus adressé la parole. Vous sauriez dire pourquoi ? J'ai l'impression qu'ils se sont sentis trahis. Comme si on ne pouvait être que chercheuse, que chercheur, oui. À l'exclusion de toute autre activité ? Absolument, oui. Oui, oui. Que c'est... J'avais failli à la cause. Celles et ceux qui, au contraire, vous ont soutenu lorsque vous avez repris la Reine Blanche, vous disaient quoi ? Je crois qu'ils ont compris le sens de ma démarche, qui est de continuer à servir la science. Vous la servez comment ? En la partageant avec le plus grand nombre. Et en essayant d'avoir un public qui ne soit pas ce qu'on appelle un public captif, c'est-à-dire des gens qui sont déjà convaincus, mais de convaincre d'autres personnes que la science est intéressante, que en comprendre une partie est à la fois nécessaire et une source de grande joie. L'antenne avignonnaise de la Reine Blanche qui s'appelle Avignon Reine Blanche. Qui a été créée quand ? Qui a été créée en 2019. Vous voyez, on aurait dû ouvrir en 2018, mais les travaux ont pris plus de temps que prévu. On a donc ouvert pour le festival 2019, espérant qu'il y en aurait en 2020. Et puis voilà. Et donc on est très 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 heureux d'ouvrir cette année. On voulait être là. On est très heureux d'être là.
c'est le hall du théâtre. Vous avez ici tous les panneaux décrivant pour les spectateurs potentiels les 6 spectacles que nous avons cette année. Avec le paradoxe des jumeaux, notamment. Avec le paradoxe des jumeaux. Et là, c'est vous. Et là, c'est moi. Voilà. Salut Jago. Salut Justine. Nos régisseurs. Bonjour. Donc vous jouez cet après-midi. Vous jouez dans quoi ? Je joue dans Le paradoxe des jumeaux et je joue Marie Curie. C'est facile de jouer Marie Curie quand on a été soi-même chercheuse ou au contraire, c'est pas si facile que ça ? Parce qu'on n'arrive pas à neuf finalement complètement dans un personnage scientifique quand on a été soi-même. C'est un peu particulier parce que je ne fais pas qu'incarner Marie Curie puisque c'est une pièce que j'ai coécrite. Et donc, il y a des choses dans la pièce. Vous verrez une scène où Paul Langevin vient voir Marie Curie. Il lui explique qu'il se casse les dents sur le paradoxe des jumeaux qu'il n'arrive pas à résoudre. Marie pose des questions plus ou moins naïves. Et Paul Langevin, en répondant à ces questions naïves, en s'écoutant lui-même répondre à ces questions naïves, finalement, trouve la réponse. Mmh. Donc, il y a déjà cette démarche-là où finalement j'apporte mon passé de chercheuse. Je n'ai aucune idée de si ça fonctionnait comme ça en 1911, mais probablement. Mais vous puisez dans cette partie de votre expérience scientifique. Voilà. Absolument. Pour nourrir ce personnage tout à fait. Qui vous ressemble tout à fait. Forcément un petit peu. C'est quoi le paradoxe des jumeaux, au fait ? Le paradoxe des jumeaux, ça, c'est un paradoxe de relativité restreinte où, en fait, vous imaginez que deux jumeaux, donc qui ont le même âge, bien entendu, sont au même endroit, au même moment, sur Terre, mettons, et que l'un des deux va faire un long voyage à une vitesse proche de celle de la lumière dans l'espace, et puis il revient. Et comme il y a une dilatation du temps, eh bien, la durée, en fait, va être plus grande pour le jumeau resté sur la Terre que pour le jumeau qui a voyagé. Et donc, le jumeau resté sur la Terre est plus âgé que le jumeau plus jeune. Mais si vous considérez, vous inversez les référentiels, en quelque sorte, et que vous considérez que celui qui est immobile devient mobile, il l'est par rapport à celui qui fait le voyage, eh bien, vous arrivez à une contradiction, puisque dans ce cas, c'est l'autre qui devrait être plus jeune. Ah, comment on résout ça ? Voilà. C'est trop demander au théâtre en tant qu'art de faire de l'enseignement finalement, de faire de la... Alors oui, faire de l'enseignement, ça n'est pas le lieu. Ça n'est pas le lieu, ça sûrement. Je pense que tout ce qui est démonstratif, tout ce qui est didactique au théâtre, c'est pas possible. Mais du coup, c'est ça la question. C'est à partir du moment où on n'est pas dans le didactique, où on n'est pas dans l'enseignement, comment est-ce qu'on peut expliquer quelque chose ? Est-ce qu'on n'est pas condamné au théâtre, sur scène, à faire du « waouh » ? Bien sûr. Je pense qu'il y a des moyens d'expliquer sans expliquer, c'est-à-dire sans être explicatif, sans être « je vais vous faire une leçon ». Vous mettez en scène, vous créez une situation où, de fait, les gens vont comprendre ce que vous voulez expliquer, en tout cas une partie
transmissible. Tout n'est pas transmissible, évidemment. On ne va pas parler de théorie des cordes sur scène. Mais je crois que c'est tout à fait possible. Et ça peut être très instructif, tout en étant vraiment du théâtre, en restant du théâtre. C'est-à-dire qu'il faut que le discours scientifique fasse partie intégrante de la dramaturgie. Comme là, vous avez vu dans Le paradoxe des jumeaux, il y a une scène où on explique le paradoxe des jumeaux, qu'est-ce que c'est que la relativité, la dilatation du temps dans les référentiels mobiles, etc. Donc, on passe un certain nombre de messages, même la vitesse est une quantité relative, l'accélération est une quantité absolue. Des choses peut-être très simples, mais tout de même, c'est un message scientifique. Mais ça fait partie de l'action, parce que pendant ce temps, ils sont en train de tomber amoureux et en train de se créer une idylle. Donc, c'est complètement dans la dramaturgie, au sens premier du terme, c'est-à-dire que l'action avance. Et on ne s'arrête pas pour dire « bon, ben maintenant, on va vous expliquer alors ce que c'est que le paradoxe des jumeaux, puis tout à l'heure, ils vont tomber amoureux. » Non. Les deux sont liés. Ça avance, voilà. Mais le message est passé. Merci encore de m'avoir permis de vous suivre toute une journée, Elisabeth Bouchaud. C'est quoi les prochains défis de la Reine Blanche et de ses équipes ? Alors, il y a plusieurs défis, évidemment. Il y a le défi de l'école, hein, la transmission, vous l'aurez compris, ça me tient beaucoup à cœur. Et donc, j'ai fondé la Salle Blanche, qui est une école de théâtre, si vous voulez, la baseline, comment dire en bon français, de la Salle Blanche, c'est le laboratoire de l'acteur-chercheur. On voit assez nettement ce que la science, par ses histoires, peut produire comme matériaux pour faire des belles pièces de théâtre. Qu'est-ce que le théâtre peut apporter, à l'inverse, à la science ? Est-ce que ce chemin-là existe aussi ? Je crois qu'il existe dans une certaine mesure, c'est-à-dire que c'est toujours bon pour un scientifique de faire un petit pas de côté pour regarder sa propre discipline. Et c'est un peu ce qui se passe dans Les savants sur les planches, quand scientifiques et artistes interagissent. En fait, les scientifiques qui ont travaillé avec nous ont trouvé ça absolument passionnant, parce que ça leur a permis de, tout d'un coup, oui, faire ce pas de côté et considérer ce qu'ils avaient à dire de façon un peu différente, en décalé. Et ça, c'est très instructif. Et en tout cas, au minimum, ça leur apporte une façon de parler de leur propre science un peu différente. Et même pour des spécialistes, on est parfois amené à utiliser des images pour que le discours soit plus intelligible. Donc l'art et la science ont de beaux futurs ensemble. Je pense que c'est un mariage qui va durer.